trouve que la formule de l'association est très bonne. Il y avait eu beaucoup de discussions à l'époque pour savoir s'il fallait une fondation ou une association. La fondation est peu démocratique, l'association est démocratique. Et elle donne encore une fois des structures beaucoup plus souples, beaucoup plus réactives, beaucoup plus créatives, permet une association des gens. C'est vrai que dans le passé, on ne peut pas toujours dire que c'était mieux auparavant, mais que les rapports reposaient sur la confiance. J'ai eu un contrôle de ces associations, mais c'était un contrôle qu'on faisait une ou deux fois par année sur la base de la présentation des comptes, des rapports d'activité. Et puis, ma foi, ici ou là, s'il y avait une fois une polémique ou une difficulté, on s'en occupait plus activement. Mais il y a eu, dans cette période, plutôt de la place pour l'initiative, la créativité, la souplesse, la rapidité, la réactivité. Ce que je vois aujourd'hui, mais c'est dans l'ensemble de notre société, c'est un peu partout. Alors, je ne connais plus la situation des maisons de quartier aujourd'hui, mais c'est un peu partout. L'arrivée des procédures, des processus, c'est renforcé par l'informatique, par les technologies de l'information. Ça entraîne de la rigidité, de la complexité, et ça finit par étouffer toute créativité. On le voit très bien aujourd'hui, les administrations publiques et les services publics sont pléthoriques et inefficaces. Si un jour les centres de quartier et les maisons de quartier deviennent des subdivisions de l'administration municipale, vous serez au même régime et en l'espace de 10 ans, vous serez mort. Lorsque l'État ou l'administration s'occupe de quelque chose, elle le dessert. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit renforcer, c'est ce qui fait une force de la Suisse par rapport à d'autres pays, c'est l'engagement associatif des citoyens. Quand on perd cet engagement associatif des citoyens, c'est le triomphe de l'égoïsme, et l'égoïsme est toujours asséchant. Je crois faire la démonstration que l'association est une forme démocratique, que ce n'est pas une coquille vide, que c'est une association vraie, qui a des assemblées générales, qui a des participations de la population du quartier, qui a peut-être des polémiques, des difficultés, des querelles de ligne, mais qui est une structure vivante.